Capture du drapeau. Coucou les petits chatons, c'est ZylewR, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo commentée sur Modern Warfare 3. Encore une vidéo de compétition. Ouais, je sais, je fais ça pour, un peu pour me rattraper de toutes les vidéos en public et en classé que j'ai mis au lancement de ma chaîne YouTube. Je sais que ça fait plaisir à pas mal d'entre vous, mais ça fait pas du tout plaisir à d'autres. Donc je vais essayer de compenser le prochain gameplay, je vous jure, je mettrai un petit gameplay en public si j'arrive à en retrouver. Je sais que j'avais pas mal de double mobs qui traînaient, à voir si je les recorde ou pas. Enfin soit, là donc c'est un très bon gameplay compétitif. Contrairement à l'autre vidéo, si vous avez suivi un peu, c'est pas issu d'un stream, c'est issu d'un vrai match. D'un vrai match au tournoi Millennium, nous opposant à la team Dignitas à l'époque, donc ça date d'il n'y a pas trop longtemps, ça date d'il y a un mois ou un peu plus, un mois ou deux mois. Et donc j'avais gardé ça en stock pour vous, bien sûr. Et donc ouais, c'était contre la team Dignitas en match de poule à l'époque. La team Dignitas composée à l'heure de Ryder, Wonder, Madcat et qui ça Ryder, Wonder, Madcat et Mcgee, voilà, à l'époque. Donc une très bonne équipe européenne, figurant à peu près, ouais, ça doit être un top 5 européen à peu près. Et depuis l'équipe a split, et il y a Madcat qui est donc parti, si vous suivez un peu, chez les TCM qui ont récemment gagné le GL8. Voilà, donc c'est une très bonne équipe. Si je vous passe ça, c'est bon, d'ailleurs, pour vous montrer à peu près... un vrai match, parce que l'autre fois c'était un stream, donc c'est assez différent. En vrai match, les gens, enfin les deux teams et les joueurs restent un peu plus en défense, donc c'est un peu plus dur de faire des kills généralement. Et donc si je vous pose ce gameplay aussi, c'est parce que c'est un très bon gameplay, déjà parce que c'est une bonne team, en plus parce qu'on a très bien joué en équipe, et que j'ai pas mal joué individuellement également. Donc mon équipe, c'était la Supremacy à l'époque, enfin ça l'est toujours. Donc elle a été composée de Get Some, Diablo en pick-up, I am the Dust et moi-même. Donc on joue les trois quarts du temps, enfin même tout le temps en pick-up, c'est un peu la particularité de notre équipe. Donc voilà, finalement ce match-là, on l'a perdu 3-2. En fait ils avaient gagné tout simplement le cut round et ils ont gagné les 3 maps sur leur host et on a gagné les 2 maps sur notre host. C'était très serré et bon, un peu dégoûté d'avoir perdu, mais bon. Finalement on se retrouve actuellement on se retrouve en demi-finale, non, finale winner bracket pardon, parce qu'on vient de gagner la demi-finale juste ce soir, le soir où je commente. Et voilà, donc on est en finale winner bracket, j'espère que ça va bien se passer par la suite. Les Dignitas ont été éliminés par je sais plus quelle équipe par la suite, mais enfin voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de... Oh là là, désolé pour le petit coup de lag, je sais pas trop ce qui s'est passé, ma console. Donc aujourd'hui je vais vous parler tout simplement de la LAN, la Cap Arena, qui s'est passée il y a très longtemps. Mais j'ai toujours voulu faire une vidéo retour dessus pour vous parler à peu près de ce qui s'est passé. Voilà, c'est toujours sympa de parler des trucs qu'on a gagnés. Je pense que j'ai déjà assez parlé des trucs que j'ai perdus, c'est-à-dire la Pro Cap récemment. Et voilà. Donc la Cap Arena, c'était une LAN, c'était au mois d'avril si je me souviens bien. Enfin non, en fait je me souviens pas du tout. Mais je crois que c'était dans ces eaux-là. C'était une LAN sur Xbox organisée un peu dans le nord, dans un village perdu, je me rappelle même plus le nom, un truc avec église dedans, mais enfin bref, comme tous les villages du nord, mais ouais. Donc à la base on avait un roster composé de, je sais plus c'était quoi notre roster, c'était censé être Carnage, Agony et Broken. Mais Broken n'avait pas pu la faire au dernier moment, donc on avait demandé à Max. Donc pareil, c'était une équipe de pick-up, on n'avait jamais joué ensemble avant la LAN, enfin on avait joué ensemble séparément, mais on n'avait jamais scrimé ensemble, donc on n'a pas straté ou quoi que ce soit. On y est arrivé un peu à l'arrache, je me souviens plus comment j'y étais allé d'ailleurs. J'ai dû arriver, ouais j'étais arrivé en train à je sais plus quelle ville du nord, ça devait être Lille ou un truc comme ça, ou Caen, ou je sais pas. Et finalement, il y avait des mecs très gentils de Cercos qui m'avaient pris en voiture. Très sympa avec. Donc voilà, on arrive à la LAN. On a décidé de dormir à la LAN. Ce qui n'était pas forcément une bonne idée. Si vous vous souvenez comment ça s'est passé, c'était un peu la Troisième Guerre mondiale là-bas. À savoir que voilà, il y avait beaucoup de gens qui dormaient là-bas. Et vu que la LAN a eu pas mal d'embrouilles, notamment vis-à-vis du cash, de l'organisation, de plein de choses, de problèmes de connexion, bah, les gens étaient assez mécontents. Et du coup, je sais pas du tout ce qui se passe avec mon PC, je suis désolé. Ça a l'air de laguer. Mais en fait, ouais, donc il y a eu pas mal de problèmes et du coup les gens étaient assez énervés et ils sont un peu défoulés sur les lits, je ne sais pas pourquoi. Enfin soit. Du coup j'ai pas beaucoup dormi, enfin j'ai dormi l'après-midi, enfin pendant qu'on n'avait pas match, mais j'arrivais pas à dormir le soir. D'ailleurs les gens qui m'ont vu là-bas savent, enfin ils doivent se souvenir que j'ai beaucoup dormi l'après-midi. Enfin soit. Pour parler de la LAN techniquement, je me rappelle plus grand chose. Je me souviens qu'on avait joué une équipe au tout début qui était un truc genre les Loubards du 59 et qui m'avait bien rigolé parce que c'était un clan élite en fait et que ouais, ils étaient partis pour gagner la LAN et ils nous l'avaient dit la veille en fait que voilà ils allaient nous défoncer et du coup ça a été assez marrant parce qu'ils en fait ils ont sorti les roquettes, ils ont sorti les claymores et en fait ils connaissaient pas du tout les règles. Bon, on a laissé à peu près faire parce que voilà, ils n'étaient pas très forts et puis voilà, on s'est plus marré qu'autre chose. Mais c'était l'occasion de me voir prendre des sacrés headshots à base de lance-roquettes et j'avoue que je me suis bien tapé des barres. Enfin voilà, s'ils passent jamais, enfin une fois sur cette vidéo pardon, je leur passe un petit coucou, ils doivent se reconnaître. Après concernant les autres matchs, je me souviens plus vraiment qui on a joué. Je sais qu'on a joué les Infamous, on a joué qui d'autre? On a joué les classiques aussi, enfin pas les classiques, les synergies pardon. On a joué les Young Players qui étaient de Get Some, Ventura, Reizek et Carbon. Et finalement je crois qu'on avait perdu en demi-finale winner bracket contre les Origins Online. On avait hyper mal joué le match et ils nous avaient gagné 2-1 sur un BO3, un truc comme ça. Et du coup on a dû remonter pas mal le loser. On a sorti toutes les équipes dont justement les équipes dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les Young Players, je sais pas qui d'autre, les Young Players, les Infamous aussi on les avait sortis. Qu'on terminait 3ème, on avait rejoué les OO en finale, on avait gagné je crois, je sais plus, 3-0, un truc comme ça, ou... ouais 3-0 je crois, 3-0 ou 4-0, je me souviens plus vraiment, enfin désolé je me souviens plus grand chose de cette LAN en fait, c'était juste pour vous en parler, et justement si vous en souvenez mieux que moi, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, je serais complètement ravi. Donc grosse finale, je sais plus exactement ce qui s'est passé, on a gagné assez facilement je me souviens, contrairement à la nuit où c'était plus tendu sur les autres maps. Justement la demi ils avaient complètement, je me rappelle les Origins Online ils avaient défoncé sur une map Arcaden, je me souviens plus exactement ce qui s'était passé, mais je sais juste qu'ils avaient ultra bien joué dessus et GG à eux. Enfin bref, du coup bah, on a fini par gagner la LAN. On est reparti avec, je crois, 1000 € de cash, plus un SteelSeries, c'est un 5XB, voilà, un 5XB, là en plus il est juste à côté de moi, là je le vois, il est encore dans son emballage depuis le temps. On a gagné aussi des t-shirts d'une marque d'énergie dingue, je ne saurais pas lire le nom. Et voilà, tout ça pour vous dire que c'était bien sympa. C'était la LAN française, ça faisait longtemps en fait que j'avais pas fait de LAN française. J'avais un peu spoté les UGL sur Black Ops. C'était bien sympa de revoir à peu près tous les Français qui ont grandi depuis. J'ai pu revoir forcément les mecs que je côtoie depuis longtemps, c'est-à-dire Carnage, Max, il y avait Agony aussi, il y avait Get Some finalement. Get Some, après on a décidé de jouer ensemble. Il y avait pas mal de monde comme ça. C'était très sympa. D'ailleurs, je passe un coucou à toutes les personnes à qui j'ai parlé. À la LAN, je me souviendrai jamais tous les noms, mais voilà, comme ça, il y avait Naniwa avec qui on a bien rigolé, il y avait Unique, il y avait Yakubi, enfin Nabo, il y avait tous les Origins Online, à qui j'ai pas trop parlé, mais bon, voilà. Il y avait Mania aussi, il y avait quelques synergies, il y avait les Young, Ventura et tout. Enfin voilà, il y avait vraiment pas mal de monde. Et tout ça pour vous dire que je vous encourage à aller en LAN française pour commencer. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais allez en LAN française pour commencer. C'est vraiment toujours sympa de rencontrer des nouvelles têtes. Les gens, ils sont pas méchants, ils sont hyper agréables. C'est super cool. Enfin bref, on arrive à la fin de ce gameplay. J'espère que vous aurez kiffé de me voir jouer contre les Dignitas de l'époque. Une très grosse pardon, équipe européenne, comme je l'ai dit. Vu qu'ils ont un peu pété un plomb parce qu'on leur a mis genre 7-0 en CTF, c'est quand même assez dur. Ils ont tous sorti le snipe et voilà. J'espère que vous kifferez un peu leur moment de rage. Et moi je vous souhaite ciao. Bisous les gens.